je vais demander au pouvoir d'exprimer. Mes couchers de soleil sur la Seine me rappellent ce que je dois protéger. Je vais m'en charger. Deuxième vidéo avec le tournage en fait du doublage de Vincent Cassel pour Monte Camus. Ah, excellent. On se rassied. Oui, c'est ça. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre de cette planète. Je suis le maître de l'univers. Alors moi j'ai découvert Tekken en fait dans les années 90 et je me suis intéressé à ce jeu-là en particulier parce qu'il y avait un personnage qui s'appelle Eddie Gordo et qui était un capoeiriste et à l'époque je faisais de la capoeira. Donc j'ai acheté, je ne jouais exclusivement qu'avec le personnage de Eddie Gordo. Lars Alexanderson, le lion de la rébellion. Très bien, contactez Yggdrasil. Super. Génial, parfait. T'as vu, c'était pro ? C'est cool. C'est pas des fêtes. Tu as perdu d'avance. Qu'est-ce qui me plaît dans le personnage de Victor Chevalier ? Ben d'abord le fait qu'il soit français. Et le fait qu'il y ait un français dans un jeu aussi internationalement reconnu. Le personnage de Victor Chevalier, en fait, il a une caractéristique, c'est qu'il est très élégant. Et j'ai l'impression qu'il colporte à travers sa manière d'être et de s'habiller une certaine idée de l'élégance française. Donc forcément ça m'a attiré. Plus le fait qu'on ait un peu pour le faire, ça m'a frappé. Il faut une opération conjointe. Et le motto ? Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Il y a plusieurs manières de faire du doublage en fait. Quand on est appelé pour doubler un dessin animé, ou une animation qui existe déjà, qui a été fabriquée à l'étranger, ou en fait, moi je me retrouve juste en tant que doubleur français, en fait on doit se caler plus ou moins sur ce qui a été fait. En revanche, quand on participe à la création, en fait on travaille avec des petits sketchs pas du tout terminés, des choses presque figées, et en fait ce qu'on va faire dans la salle d'enregistrement va servir à l'élaboration des personnages. Commencez les préparatifs.
Commencez les préparatifs. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler les puissances de ce monde. Fais en sorte d'être à la hauteur quand tu combats en face de moi. Dispersion ! Dispersion ! Dispersion ! Échec et mat. Dispersion ! Appelez-moi Victor. Je n'aime pas mon nom de code. On espère que ça vous a plu et on va vous laisser tout de suite avec Jerry Kikendo pour les inscriptions au tournoi Tekken 8. Bon, d'abord merci infiniment, on peut applaudir s'il vous plaît Olivier et puis toute l'équipe, parce que juste un mot, vous le savez, on le dit avec Kendo depuis tant d'années, nous on est heureux parce que l'idée quand vous venez sur le stand, c'est que vous ayez le sentiment de faire partie de la famille, qu'on est des joueurs depuis tant d'années, que vous veniez découvrir les nouveautés, c'est hyper important pour nous, que vous les essayiez, mais le plaisir pour nous est surtout d'être avec vous, d'échanger, et qu'Olivier, qui représente la direction de Bandai Namco, prenne la peine de venir parler avec tout ça, ben, ça contribue à cette philosophie, c'est-à-dire se dire qu'on est dans la même aventure, que nous on est heureux de vous écouter parler quand vous faites des retours sur les jeux, sur la volonté de soyez, on veut le croire considéré, on veut le croire une scène plutôt sympa, des écrans, un canapé, Kendo qui est là aussi pour vous donner les meilleures infos s'il avait besoin, et nous on est super heureux que à l'image, je le disais, d'Olivier, donc on est ce moment d'échange pendant ces 5 jours où voilà, on ne passe pas par une adresse mail, on ne passe pas par un téléphone, mais qu'on soit en contact avec, je vois les jeunes filles de Bandai Girl qui sont toujours là aussi, avec le sourire prêt à accorder. Et le fait, vous l'avez compris, et je finis là-dessus, que tout le monde puisse jouer, qu'on ait des demoiselles, des dames qui viennent là avec le langage des signes pour permettre à tout le monde de pouvoir jouer, que le fait que vous soyez assis, ça veut dire que si tu es petit et pas costaud, mais tu as la même chance que si tu fais 2m50 et 150 kg. C'est ça aussi la volonté qu'on a chez Bandai Namco. Donc merci de jouer à nos jeux, merci d'être là. Et puis on espère que vous allez prendre du plaisir avec nous jusqu'à dimanche soir. Pourquoi pas des Tekken maintenant pour ceux qui veulent jouer à Tekken. Alors merci beaucoup. Merci Olivier. Tu peux retourner manger des bonbons derrière et parler avec le Japon ou les États-Unis. Nous, on va continuer à jouer.